Et nous voilà donc dans le let's play de Airport CEO, le nouveau jeu de tycoon de gestion d'aéroport en accès anticipé sur Steam. Alors, on va... C'est dégueulasse. Il faudra penser à acheter des... engager des personnels. Mais bon, on n'y est pas encore de toute façon. Alors ici, petite astuce aussi. Voilà, ça c'est votre zone de sécurité. Un conseil, hein, ça va vite devenir le bordel. Donc il faut tout de suite faire des files d'attente. Hop, et on les fait but. On va les faire bien. Comment on va faire? On va faire classique, hein. En zigzag. Voilà. Et on va faire la même chose pour celui-ci, évidemment. Hop. Deux zones, c'est fait. Ici, on peut faire les mêmes trucs. Là aussi, il va y avoir besoin. Voilà, comme ça. Même chose ici. Voilà, hop. On peut aller un poil plus loin d'ailleurs. Allez, un truc plus loin, voilà. Même chose ici. Voilà, même chose ici. Ça c'est fait, on va plus casser la tête après. Et pareil. Bon, vous mettez ça un peu comme vous voulez, évidemment. Moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en plus? Je vais faire ici une petite zone de magasin, voir si ça marche comme la bouffe, tiens, parce que j'avais pas fait ça hier. On fait une petite, deux s'il faut. Hop. Zone magasin. Voilà. Donc on en est où ici? Là ça va être construit. Comme vous pouvez voir. Tiens, j'avais pas mis en tarmac moi. C'est pas très grave, on mettra après si on veut faire joli. On y est presque, hein, dans la zone là, de à l'ouverture de mon aéroport. On y est presque. Ah oui, donc ici par contre, évidemment, on va être très, très con si j'oublie. On a fait la piste d'atterrissage. Tiens, ça va. Ah ouais, ça c'est... Je l'avais pas hier, c'est des nouveaux menus. Donc j'avais dit quoi moi? Ah oui, c'est où? Ici, Toxim et Node, ne pas oublier évidemment de joindre votre piste. Ah là, parce que sinon, vos avions vont rester coincés sur la piste. Hein. Ce qui serait quand même bien embêtant, vous allez l'avouer. Voilà. Donc ici j'ai besoin aussi évidemment d'une piste de trucs, j'avais pas pensé, mais il me faut. Service road, on va donc, j'avais comme prévu, joindre l'autre bout là-bas. Peut-être faire comme ça, on va simplement entourer le bâtiment. Je vais attendre qu'il termine les trucs ici pour pouvoir savoir exactement
où je peux faire la connexion. Oui, j'ai, par contre, j'avais pas pensé, mais du coup, si je fais ça là, je suis obligé d'avoir des bureaux, des boarding desks dans le coin, donc je vais en foutre quelques-uns là, l'un à côté de l'autre, c'est quand même des petits avions. Boarding desk, on va en mettre quelques-uns. De serrer un peu. On peut serrer, donc on va serrer. Voilà. Parce que pour info, voilà, si j'ai mes boarding desks, je vais pouvoir le faire ici pour voir. Voilà, il faut évidemment le connecter à un truc, sinon ça ne marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne si jamais vous ne faites pas ce genre de détails. C'est le genre de petit truc qu'il faut, faut savoir, parce que sinon bah, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. C'est vrai que ça fait, j'ai pas vraiment fait gaffe au tuto. Donc au niveau du tuto, de la progression du tuto, ben donc ça c'était, on va reprendre là où on en était. Donc voilà, on l'a connecté au service de transport public. Donc les zones de restriction de passagers, ben, c'est ce que j'ai fait avec les zones de sidewalk là. Ici donc les zones de restriction, ben, c'est ce que j'ai fait ici, que j'ai fermé et que j'ai rendu rouge là. Donc ça c'est les zones, voilà, ça c'est les files d'attente. Donc on a fait tous les tutos de base. On va en arriver donc à la deuxième partie, qui est donc tout ce qui est aircraft stand, ça c'est fait, donc c'est les endroits où ils vont se garer. Donc ça c'est les zones, ben, justement, où ils vont bouger. C'est fait. Donc maintenant il faut le service de fuel, qui est hyper important. Et donc pour le service de fuel, ça se trouve, donc je dis pas de bêtises, je dis des bêtises, ici. Part, voilà, qu'il faut un dépôt de fuel qu'on va mettre bon, ici, voilà, et à côté évidemment si je fais un dépôt il me faut quelques, c'est trop loin, hop, on va faire comme ça. Donc là c'est, là c'est les camions de service vont venir livrer du truc ici de l'essence avec les réserves, et c'est ça qui va servir à réalimenter les avions qui le demandent. Ils le demandent pas toujours, précise. Mais ça arrive. Vous voyez ce que je dis, c'est que parfois le jeu m'est en train d'être un peu précis. C'est quand même. Je sens personnellement que ça, quand je vois l'écran, quand je suis tout près ça va, mais dès que je m'éloigne un peu, on sent que. Il accroche un peu, vous voyez. Là, ça manque un petit peu de. Enfin, il y a moyen de faire autre chose. Quoi. Par contre, il faudrait une porte ici, évidemment. Donc, je vais t'emmerder. Voilà. Donc, j'ai fait les boarding desks. Qu'est-ce que je peux encore faire? Small security, mais ça, c'est pas hyper utile vu que j'ai fait des gros. Boarding desk, c'est en cours. C'est... Ah, ouais. Zone de pour évacuer, ça peut être bien. On va faire. Je pète un carré. Ouais. On va le faire ici, la zone de sortie. Hop. Voilà. Ça, c'est une zone de, pour sortir justement des passages de sécurité. Vous voyez que le, ce qui est construction, ils ont les, l'accès, ils peuvent passer comme ils veulent. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. J'avais un peu. Ça avance. Il neige. Vous voyez qu'on est que le troisième jour, hein. Vous voyez tout ce qu'on a construit en trois jours.
Vous voyez que là, mine de rien, même en facile, avec 2 millions, c'était pas trop. Hein, parce que vous voyez que bon, si on passe en normal, déjà à moins de 200 000. Hein. Bon. Et on va laisser finir ce truc là-bas. De toute façon, je sais pas faire grand chose de plus tant qu'ils n'ont pas avancé là-dedans. Bon, comme c'est plus loin, bah ça prend du temps à construire. De faire à chaque fois les allers-retours avec l'orchestre là. Donc ici j'ai mis 5 boarding desks parce qu'il y a 5, 5 petits stands. Alors ici ben, c'est pas encore activé donc c'est normal. Qu'est-ce que je peux encore aller voir à ce niveau là ici dedans. Le shop c'est fait, le fuel, j'ai pas besoin du fuel amélioré pour le moment. Le service de bagages, on n'y est pas encore, on fera ça après. On va d'abord rentrer on va d'abord ouvrir l'aéroport avant de penser à faire des trucs en plus. Pas spécialement non plus les plus urgents. Parce que je vous rappelle que les passagers peuvent très bien gérer leur bagage tout seul, ils n'ont pas besoin d'un service dans un premier temps. C'est un bonus, hein, je dis pas, mais c'est pas hyper urgent. Voilà, ils ont presque fini ici. On va pouvoir. Et la suite, là, ils sont en train de finaliser. Ils vont pouvoir commencer. Ils ont commencé d'ailleurs le chemin ici. Une fois qu'ils ont fait ça, on peut voir où est-ce que je dois aller faire la connexion pour la route de service. Fait différents trucs bien connect 1 connect 2 connect 3 connect 4 et connect le cinquième j'ai dit voilà. Voilà, ça, ils sont tous connectés. Évidemment, là, j'ai fait les trucs de connexion. On peut encore mettre des trucs. Alors ici, j'ai mis le boarding, il est là. Donc, on va mettre des sièges. Coûte de la thune, ces trucs-là. Peut-être faire des petites boutiques ici, des petits trucs de bouffe, je sais pas où ça peut être, des petites rentrées supplémentaires. Donc ici finalement ça va, donc on va pouvoir faire la route service road pim 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 pim. Et hop, voilà, on va faire comme ça. J'aurais pu au fait simplement. Ah mais non, c'est pas ça le service road, je suis con, c'est ça. Hop, voilà, comme ça. C'est mieux. Vous voyez que j'ai plein de messages, je les regarde absolument pas, je vais vous montrer vite fait si vous voulez, mais voilà, c'est tout. Des spams pour dire ah vous avez réussi à faire le tuto, ah vous avez réussi à faire le tuto, ah oh, vous avez fini votre... Ouais, on s'en fout quoi. On s'en fout. Alors tiens, je vais jeter un oeil là-dedans. Qu'est-ce qu'il leur faut à ces contractants? Alors je veux power, il leur faut shop shelf 013, ça me rapporte 2899.
Il faut 14 ici, ça rapporte 3080. Ah, c'est pas assez grand. Pas assez grand, pas assez grand. Là, c'est assez grand. Ça me rapporte que 92, 76, 292. Voilà, oh, merde. Bon, on va faire ça. On va le faire plus grand. Bon, je peux toujours le faire plus grand, attention. Quand même une grosse différence. Je vais le faire plus grand. Il faut combien? 220, donc il faut pas grand chose en plus. Bulldozer. Boum. Faites-moi ça. Mur. Rajoute une. Hop. Voilà. Boum. Zone. Hop. Agrandi. Hop. Du coup, maintenant, je considère que c'est une zone, tout, ou pas? Non. Attends, delete room, ouais. Aussi delete room, voilà. On va refaire la zone en un coup, ça devrait être bon. Voilà, mais non. Ok, pour la taille, c'est bon. C'est bon, voilà. Je voulais 3080. Il me faut 14 shop shelves et un casier. Ok, alors 14 shop shelves. Où ça? Ici. Alors, shelf. Okay. On va voir si j'en fais un. Vais voir combien ça me. Alors, ça me rapporte combien ça? J'en fais que deux. D'accord, il en faut quand même. Que ce soit des grands ou des petits, ça change rien au problème. On va continuer à en construire. On va faire des plus petits alors. Allez. On est à combien là du coup? On en est à combien? 13. Il m'en faut encore un pour le gros. On va encore en faire un alors. Hop, item. Small, on va mettre dans ce sens-là, ici, voilà. Et du coup, il faut encore une caisse. Ah, la merde, la caisse. Pas prévu ça. Bulldozer, annule ça. Voilà. Il faut le mettre ailleurs. Là. Voilà, mettre au fond là-bas. Du coup, maintenant je peux signer pour toi. Pourquoi je peux pas? Là, maintenant je peux. On signe. Hop, ça c'est pas ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, bah, évidemment, ils attendent. Je pense pas que j'ai encore besoin d'autant de gars pour le truc. Alors, vérification. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Ça c'est relié, ça c'est relié, tout est relié. Ici on est bon. Passages là sont bons aussi. Là on est bon, bah on va essayer de voir si on peut tout allumer. On peut rendre ça en commercial.
Pourquoi il n'est pas connecté à quoi? Quel est le problème? Push backpoint, non. NHB connection. Bagage B connection, ouais. Connect bagage B, mais je dis pas encore, donc ça va être compliqué. Ah oui, ici, j'ai oublié. Donc, il me faut un contrat de fuel. Alors ici, il suffit d'aller là-dedans, fuel supplier. Alors j'ai Nature Fuel qui me donne quoi? Input 0,005 par litre. Je peux avoir 200 000 litres. Ouais. 0,4, 400 000 litres. 0,4, 400 000 litres. Ok, donc ça c'est kiff kiff. On va prendre le Zip Fuel là. Voilà, c'est signé. Et du coup, maintenant il y a les camions qui vont arriver, ils vont aller manger ce truc. Qu'est-ce que je peux encore faire? Une station de météo, c'est jamais perdu. À mettre là, voilà. Ah oui, la tour de contrôle, hyper important. J'ai failli oublier, on va la mettre là. Comme ça. Voilà, sinon il n'y a rien qui peut évidemment fonctionner sans la tour de contrôle. Et on va pouvoir commencer à penser à acheter, à engager du personnel. Alors il faut par poste ici, il en faut 4. Donc il me faut 8 security, bazar machin. Security tout court d'ailleurs. Voilà. Il m'en faut 8 et j'en ai pas assez. On va engager tout le monde, hein. Il n'y en a pas. Pas se tortiller des fesses. 4, 5, 6. Faudra attendre pour la suite. Airport staff, il m'en faut. Alors, j'ai. Dis pas de bêtises. On va commencer avec un de chaque. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. 9. Non, 8, pardon. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il me faut au moins 13 gars pour le staff. Au moins. Donc, ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque. On peut aussi penser au board pour recruter le reste. On va d'ailleurs le faire directement. On va tout ouvrir. Voilà. Chacun rapporte ses trucs. Hein. Lui, il va gérer un petit peu le pognon des salaires. Lui, va essayer de. Comment il fait? Améliorer mes profits d'une façon ou d'une autre, je sais pas très bien comment. Ici, lui, c'est. Il peut. Ouais, il déverrouille certaines des recherches. On retourne dans le truc d'application. Il faut donc. C'est faux. J'avais postulé. Mi. On va regarder. Elle est plutôt bien celle-là. Un peu moins bien. Tout le prendre du 22 skills. Voilà. Ensuite, j'avais dit le HR Director. Alors lui, ouais. C'est mieux. Prendre le Adam là. Lui. Bon. Qu'est-ce qu'il manque encore dans le board? Donc on a un CEO. Ouais.
c'est une Carlton qui est mieux. Voilà. Et là, mon board il est du coup complet. Ça, c'est fait. Alors, le staff, on verra bien après. Appliquant. On est tous arrivés, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il en manque encore un. Bon, ça c'est fait. Alors, il faut. Sécurité, il m'en faudrait encore deux, je crois. Toi et toi, voilà. Et puis des concierges, il m'en faut quelques-uns. 1, 2, 3, on va prendre 4. Service technique, toujours pratique. 1, 2, 3, 4 aussi. Hop là. On a à peu près. Ah oui, non, ça il faut. Ah oui, au fait, c'est pas les mêmes. Bon, on va prendre 4 aussi. Alors. J'aurais peut-être, à mon avis, trop de monde. Pas grave, je peux les mettre par paire. Non, les trucs de boarding. Les bureaux, ça c'est fait. Je pense que je peux. Penser à en virer quelques-uns. Alors, vous appuyez sur contrôle. Ça les fait par 10, j'en ai 86 ou 7, donc on va en virer, on va en garder 16. Ah merde, j'ai tout viré, bon, c'est pas grave. On peut quand même les rappeler quand je... Bon, on va rappeler 10. Mais non, oh, merde, imbécile. Miss Hall. Ah, c'est ça que je veux. Il faut 10. Faut que la bouffe ça marche pas, enfin le magasin ça marche pareil, hein. Ça me rapporte de la thune. Non, personne. Pas beau la vie. Voilà, tous les gars que j'ai dit, vous pouvez rentrer chez vous, ceux-là, ils se cassent. Alors. On va essayer d'embellir un petit peu tout ça. Poubelle, ça peut être bien aussi. Ici, pas oublier de montrer ça. Du coup, pas marcher si je fais pas le sidewalk. Sortir de là. Et pas oublier surtout de le rendre de nouveau en sécure. Sinon, ça marche pas. En trop. Bulldozer. J'ai dit bulldozer. Voilà. Il faut des portes. Voilà. Et pas oublier du coup le passage piton. Sinon ça ne passe pas. Il y a plein de petits détails qu'il faut penser. Ils sont importants évidemment. Voilà. Et normalement on doit être presque bon là. Je pense que je peux lancer tout le truc. Je pense. Je vérifie quand même un truc de barrel. $250,000, c'est trop cher. Dans les médias, on va pas faire ça tout de suite. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est jamais perdu. J'évite de me faire spammer. Alors ça c'est bon.
faire ça aussi. Ouais, c'est comme ça. Ah, mais j'ai déjà des demandes pour des avions qui veulent arriver. Et ça, c'est pour l'aviation générale. Ouais, hop, ça marche. On va essayer. Mais je pense pas parce que le truc est pas encore ouvert. Ah oui. C'est peut-être bien aussi de prévoir. Non, je suis quand même oublié. De prévoir un passage pour les avions ici. Alors, où est-ce que ça va se connecter ici? On va le faire comme ça. Que là. On peut peut-être. Je prends combien de carrés là? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, j'ai dit. Voilà. Voilà. Du coup, pareil, je dois faire une boucle. Non, je vais être un peu emmerdé. Voilà. Du coup, pareil que l'autre, on fait les routes. Là, pof, on descend. Voilà, on va par là, on remonte et on rejoint. Voilà, et ici évidemment on les relie. Entre eux. Pas oublier ce genre de petits détails, c'est drôlement son importance. Évidemment j'ai plus que 10 mecs qui travaillent donc ça va pas être rapide. Peut-être rappeler du monde alors. Pour rappeler 36, mais quarantaine en plus. Voilà. Ici, c'est rempli. Oui, c'est parfait. 280 000 en capacité. J'ai encore donc de la réserve. Ça peut être livré. Du coup, ça, je peux les ouvrir maintenant. Effectivement. Ah non. Bagage B-Connection. Oui, ici, mais ça, je m'en fous. System is deactivated and cannot transfer passenger. Pourquoi? Pourquoi? Problème de avec la zone? Attends, c'est bon là. Ça devrait être bon pourtant. C'est parce que c'est pas encore ouvert. On va voir après. Bon, on va pouvoir ouvrir, hein, je pense. On va terminer ça, dès que c'est fait, on l'ouvre. Ah, les gars, ils arrivent là, ils vont partir à l'assaut. Ah bah oui, c'est parce que, à mon avis, pas fini ici, donc il peut pas être connecté, c'est logique. Non, je peux. Non, c'est bizarre. J'ai oublié une zone. Tantôt m'a l'air bon. Tout m'a l'air bon pourtant. Ah ici peut-être. Ah ah! Bingo! Ah non, pas encore, tiens. Qu'est-ce qui déconne? Un truc que j'ai dû oublier quelque part. Ça? Ah, c'est bon, c'est bien fait. What the fuck?
Stun is deactivated and cannot transfer passenger. Pourquoi? On va essayer de terminer ça. On va voir. Peut-être qu'en lançant, en ouvrant le l'aéroport, ça ira. Allez les gars, plus vite. Terminez-moi ça. C'est juste parce que j'ai pas le truc de sécurité qui sont enclenchés. Il serait assez logique. Oh là 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 là, 36 minutes, on va trop loin. Ça va trop vite ce jeu. Eh ben, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Et donc, pour, j'espère, l'ouverture de l'aéroport. Ciao, à demain!